Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment sauvegarder un audio sur Edison. Donc là vous avez votre audio et vous venez ici, vous faites clic gauche et ensuite ça va vous ouvrir un dossier et ensuite vous l'enregistrez ici. Enregistrer. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres sujets de vidéo et au revoir.